Salut tout le monde, c'est Christian, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 4, sur le DLC Dragon Seeds, pour parler un peu des Eagle Eyes. Alors donc le premier est sur Parc l'Infini, donc vous allez là vous pouvez ouvrir les vannes, vous allez péter la porte à coup de C4 ou de lance-roquettes, puis vous allez vous approcher de la petite radio. Là vous pourrez interagir avec Carré si vous êtes sur PS3, après sur votre console c'est par rapport à votre touche action, et vous gagnerez normalement la plaque Battlefield. Enfin la dog tag Battlefield normale si vous ne l'avez pas déjà eu, donc sinon vous pouvez aussi bien l'avoir si vous avez déjà eu Battlefield 3 ou un autre Battlefield autre que Battlefield 4. Et en plus de ça vous aurez une petite musique de Battlefield 3 sur la radio. Sinon ça vous fera un petit son métallique, un petit i, voilà. Enfin, voilà. Donc le second Eagle Eyes se passe dans Dragon Submergé, donc en plein milieu de l'eau. Il y a le crâne d'un dinosaure. Donc au début certains joueurs pensaient que c'était un dragon par rapport à Dragon 6, donc à dans le dragon, mais au final ça s'avérait être un crâne de T-Rex. Donc peut-être que ça fait référence au dernier DLC qui sortira sur Battlefield ou au prochain Battlefield après Airline, et où on pourra donc voir soit le mode qui avait été proposé, le mode survival avec des dinosaures, soit des cartes avec des dinosaures comme décor, enfin avec une connerie comme ça, avec en rapport les dinosaures sur un DLC ou un futur Battlefield. Ensuite donc on se retrouve sur marché, donc voilà en plein milieu vers le bâtiment qui est en construction. Vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, des fenêtres fermées qui est impossible d'accès, donc vous les faites péter. Hop là, donc maintenant on va monter tranquillement. Hop là, donc là si vous passez par la fenêtre vous tomberez, donc vous ne pourrez pas accéder par la fenêtre. Il faut aller en haut, péter le grillage, donc ça c'est déjà fait. Marcher sur la corniche, là vous sautez sur la pancarte, voilà, tranquillement. Et là faut double sauter parce que sinon vous allez retomber à l'extérieur. Et là on arrive dans une petite salle secrète avec des mini dinosaures, des mini T-Rex et des mini canards. Donc les T-Rex me font penser encore au prochain DLC ou au prochain Battlefield qui pourra se passer pendant qu'il y aura une carte avec des dinosaures, sinon les canards ne me disent rien du tout. Là on se retrouve sur Parc l'Infini de nouveau, donc là vous allez à côté du pont le plus proche de la station d'opération, vous plongez sous l'eau sur la droite, et là si vous remarquez bien ça ressemble un peu à la carte tourisme à Annan, et en bas à droite il y a un espèce de poisson, enfin voilà. Donc peut-être qu'il y aurait encore un Easter egg ou quelque chose de caché sur Tourisme à Annan, ou peut-être que la map se passera sur un Tourisme à Annan remixé ou autre. Enfin, ça reste à découvrir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon hypothèse concernant un futur DLC ou un futur Battlefield avec un mode survival dinosaure ou un mode avec une carte temps à l'époque des dinosaures, une connerie comme ça, se dévoile de plus en plus. Enfin, voilà. Allez, je vous dis salut. Pensez à mettre un petit j'aime. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À laisser un commentaire. Si j'oublie des eggs sur certaines maps, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait plaisir. Et en plus de ça, je vous invite aussi à cliquer sur la vidéo que vous voyez en ce moment. Allez, salut tout le monde!